Situé à environ 100 km à l'ouest de la capitale algérienne, Alger, ce nouveau tunnel, construit par la China Railway Construction Corporation, est composé de deux tubes indépendants de 7,3 km chacun. Cet ouvrage complexe permettra de réduire la durée du trajet en train entre Alger et Oran de 4h30 à environ 2h30. Selon le ministère algérien des Transports et des Travaux Publics, les trains pourront transporter les personnes et les marchandises à une vitesse moyenne de 220 km par heure contre 160 km par heure actuellement. La société chinoise est l'une des plus grosses sociétés de génie civil au monde. Grâce à ses expériences et sa technologie de pointe, elle a pu résoudre et surmonter de graves problèmes géologiques qui entravaient les travaux dans ce tunnel. Des problèmes qui sont connus comme le désastre des ingénieurs qui ont conduit plusieurs entreprises internationales de construction à se retirer de l'achèvement du projet. La société chinoise de génie civil est devenue la seule entreprise sur le marché africain à pouvoir construire ce genre de grand tunnel dans des conditions de sol pour. Les entreprises chinoises participent activement au programme ferroviaire algérien. Grâce à la coopération sino-algérienne dans le domaine des infrastructures et du transport, le réseau ferré algérien est passé de 1700 km à plus de 4000 km entre 2000 et 2017. Quelques milliers d'autres kilomètres de voies sont programmés à l'horizon 2025. L'entreprise China Railway Construction Corporation Limited participe également à la mise en œuvre de l'autoroute qui parcourt l'Algérie d'est en ouest d'une longueur de 1200 km. Ces projets d'infrastructures routières et ferroviaires réalisés par les sociétés chinoises en Algérie réduisent le temps de trajet des habitants et des marchandises. Ils jouent un rôle majeur dans la stimulation du développement économique et social des régions situées le long de ces routes et de ces lignes de chemin de fer reliant le sud et le nord du pays. Ils facilitent aussi le transport ferroviaire entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Le partenariat stratégique entre la Chine et l'Algérie reflète l'étendue, la profondeur et le haut niveau des relations qui lient les deux pays. Depuis 2000, les groupes chinois ont réalisé en Algérie de divers projets d'infrastructures, autoroutes, projets ferroviaires, barrages, logements, ports, stades, aéroports, avec des investissements qui dépassent les 20 milliards d'euros. Achraf Masoud pour CGTN France.